Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter ces deux montres Alif. Donc en fait, c'est les montres avec les chiffres arabes que j'ai reçues de chez AliExpress. En fait, j'en ai entendu beaucoup parler sur Instagram, Facebook, etc. Beaucoup de gens les vendaient en coffret ou juste la montre. Et elles étaient à hauteur de 20, 30 euros, voire 40 euros selon notamment la matière des bracelets, donc ça pouvait être vendu en cuir, etc. Mais je trouvais que ça faisait un peu cher quand même pour une montre, sachant qu'il n'y a pas de marque, en tout cas pour celle-ci, il n'y avait pas de marque en particulier. Donc j'ai testé l'idée de Sarah, en fait, c'était de reprendre une photo où vous avez l'objet dessus, et d'aller sur l'application AliExpress, et puis de faire une recherche par photo. Et du coup, j'ai trouvé plusieurs résultats, dont ce vendeur qui vend donc ses montres avec ce bracelet-là. Donc en fait, c'est des montres qui sont réglables. Vous voyez ici et ici. Donc il y avait deux cadrans différents, un petit et un assez grand, enfin moyen. Et en fait, ça dépend vraiment de votre poignet. Moi, j'ai voulu tester les deux, je trouvais que celle-là, ça allait. Mais celle-là aussi, je trouve qu'elle est super discrète, je viens de la recevoir récemment. Et bon, pour le prix, elles sont à peine à 5 euros. Donc voilà, 10 euros les deux, alors que ça, elles se vendent, comme je vous ai dit, entre 30 et 40 euros une. Donc je trouve que voilà, le mieux c'est de pouvoir aller regarder toujours sur AliExpress. On peut trouver des choses pas chères et franchement la qualité elle est top. Donc voilà l'arrière. Ici donc c'est réglable en fait. Vous avez juste à ouvrir ici ce petit truc à l'intérieur avec un tournevis, une paire de ciseaux comme vous voulez. Vous l'ouvrez et ensuite vous le déplacez en fonction des traits qu'il y a à l'extérieur en fait. Enfin, à l'intérieur de la montre. Et vous pouvez aller jusque-là en fait. Notamment pour les personnes qui ont des petits poignets. Donc voilà. Alors elles sont à 5 euros comme j'ai dit. Vous choisissez en fait. C'est le même lien en fait. Je vais vous le mettre en barre d'infos. Vous choisissez donc en fait soit le grand ou le petit voyant. Sachant qu'il y a des photos qui sont à l'appui, moi je vais y mettre le mien. Je trouve que c'est bien de mettre d'avoir les commentaires avec notamment les photos reçues par les acheteurs ou acheteuses. Comme ça nous donne déjà une idée parce que c'est vrai que les images des fois de AliExpress sont trop trompeuses. Et là bah, j'étais satisfaite des photos donc j'ai également pris les miennes. Je les ai reçues en à peine 15 jours pour les deux parce que je les avais commandées séparément. J'avais commandé celle-ci en premier et celle-ci en deuxième. Et vous recevez également des piles. Donc vous en avez déjà une qui est intégrée et une en plus. Donc je trouve que c'est super sympa venant du vendeur. Donc je vous laisse regarder. Franchement, elles sont super belles. Et moi je les ai déjà portées. Franchement, il n'y a pas de. Elles s'ouvrent pas. On peut penser que voilà, que c'est un peu de la cacaille, tout ça. Mais non, franchement, elles ne s'ouvrent pas. Je vais vous faire montrer ce que ça vaut en fait porter. De toute façon, vous le verrez sur la photo. Comme ça vous donnera une idée. Et puis, je vous mets en lien, enfin, en barre d'infos plutôt, donc les liens de cela. Donc, c'est un lien, vous allez avoir les deux choix. Et puis, je vous mets également mon Snapchat si vous souhaitez venir me rejoindre sur Snap. Et puis, c'est là où je pourrai partager avec vous mes reçus, les bons plans, etc. Ce sera peut-être plus simple que sur YouTube. Donc, je vous invite à y venir. Et on verra ça ensemble, notamment si vous avez des photos ou vous avez besoin de photos supplémentaires. Eh bien écoutez, ça sera avec grand plaisir. Je vous laisse aller regarder, aller jeter un œil et vous me dites si vous en avez pris une également et votre ressenti. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.